Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un film très important à l'époque où il a été fait et, euh, et qui est resté dans son domaine euh, un film très important, à savoir donc Flashpoint, euh, le grand film euh, du, du, qui symbolise un petit peu euh, le retour du cinéma d'action et du cinéma de kung-fu, euh, représenté principalement par Donnie Yen. Donc film réalisé par Wilson Yip. En 2007, donc on y retrouve au casting, Alors, il y a un casting absolument fabuleux, donc Donnie Yen, Louis Koo, qui deviendra aussi euh, voilà la, la grande star du cinéma de Hong Kong. Euh, voilà, de des vingt des, 20, des 20 années qui vont suivre euh, on retrouve euh, tout un tas de, de, de noms très connus dans le casting euh, Ken Chang que vous avez vu dans Crime Story euh, euh, Yuxing euh, l'acteur de, de Crazy Kung Fu que que, que j'aime beaucoup euh, Ben Lam on peut y retrouver aussi Colin Chou hein, le, le qui vous Séraphin dans Matrix pour les gens qui connaissent voilà qui est, qu est un acteur qui vient de 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 l'écurie de, de Samo euh, voilà, il y a tout un tas d'acteurs que j'oublie, Austin Way, euh, euh, etc. Voilà, tout un tas de, 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 de noms qui, de, qui, ont, qui ont marqué le, le cinéma d'action et le cinéma de Kung Fu à Hong Kong euh, à l'époque. Et ce qui est très intéressant, en fait, à l'époque où Flashpoint a été fait, c'est une époque où Hong Kong produisait principalement euh, du polar et où le, le voilà, le, le des films comme « Affaire n'a ont eu un très très grand succès, y compris à travers le monde, et ont, ont, ont un petit peu, on va dire, marqué, un petit peu donné le, le « là à, » à tous les polars de pendant, pendant 10 ou 20 ans. Ce qui est intéressant avec Flashpoint, c'est que finalement, on retrouve une esthétique très années 2000 au niveau polar, même... Les polars de Jonito, par exemple, aussi avec cette espèce de voilà toujours la manière dont c'est filmé, euh, euh, la musique aussi ce, ce riff de guitare qu'on retrouve dans les cinémas cinéma de Hong Kong depuis 20 ans et principalement dans les années 2000, donc pas très original c'est un polar très simple euh, avec une histoire très simple voilà à, à la fois inspiré des polars de Johnny To et des polars de voilà il y, y a des éléments narratifs d'affaires à l'affaire mais c'est pas vraiment moi quand je l'avais vu je me souviens que c'était pas vraiment le côté polar qui m'intéressait mais c'était la grosse promesse du film et l'intérêt principal du film à savoir euh, Donien la figure de Donien qui allait redonner au cinéma de Hong Kong, au cinéma d'action de Hong Kong, c'est lettres de noblesse et principalement par le biais des scènes d'arts martiaux et par le biais des scènes de kung-fu. Et c'est dans ce film là où en fait Donnie Yen injecte euh, tout ce qui est, euh, ce qui fera un peu son son, son, son style même s'il a déjà développé son style avant avec des films comme euh, comme SPL ou, euh, ou même d'autres films avant hein, où il va être simplement chorégraphe mais où à partir de SPL il va commencer à être une star de films de, de kung-fu et aussi après il y aura euh, Dragon Tiger Gate puis Seven Swords où il va vraiment euh, amener son style, même si je crois que sur *Seven Swords*, il n'a pas vraiment amené son identité de chorégraphe. C'était plus par rapport à son jeu d'acteur, mais il a forcément dû travailler sur quelque chose. Enfin, voilà. En tout cas, *Flashpoint* c'est vraiment un film qui fait date puisque c'est vraiment le moment où euh, clairement Donnie Yen dit bon, il en a marre euh, de ces films thaïlandais. Euh, avec Tony Jaa, voilà, c'est maintenant le, le voilà, tout le monde parle de Tony Jaa du cinéma thaïlandais, c'est son il euh, y aura ensuite Hong Bak, Born to Fight et vraiment ça va être les Thaïlandais qui dans les années 2000 vont prendre un peu le dessus et vont commencer à faire beaucoup plus de films d'arts martiaux que les Hong Kongais, alors que les, 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 les Thaïlandais s'inspirent complètement de des de, de Hongkongais. Hong hein, Kongais, les Hong ont pratiquement tout inventé dans ce domaine et les Thaïlandais euh, euh, en tout cas, même si c'est très impressionnant au niveau de la, la chorégraphie, des cascades et des prises de risques, histoire des années-lumière au niveau de la mise en scène du cinéma de Hong Kong. Et là, donc, Yen décide de revenir avec ce projet-là, finalement en, en s'appuyant, en, en marchant finalement sur le style du polar de l'époque, mais en rebondissant et en y amenant du, du, du kung-fu, en réinjectant du kung-fu à l'intérieur. Donc en fait, c'est très malin, il s'appuie sur tous les codes de l'époque qui fonctionnent. Le polar, un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, Johnny Toe, Fernal Affaire, euh, un peu dans cette vague-là, mais, en fait, c'est pas l'intérêt principal du film. Ce qu'il veut faire, lui, c'est ramener le cinéma de Kung Fu et le cinéma d'art martiaux à l'intérieur du cinéma de Hong Kong et dire, bon, écoutez, les Thaïlandais, Tony Jass, c'est bien gentil, on va, on va, on va remontrer au monde à quel point c'est nous les meilleurs et à quel point c'est nous qui allons plier le game et une fois que vous aurez vu le film vous aurez compris que le cinéma enfin le voilà Hong Kong c'est ce sont définitivement les maîtres dans ce domaine là euh, le, le même si voilà toute la partie euh, polaire est, est sympathique mais oubliable la partie action même si pour moi elle est Trop courte ou trop, euh, on va dire pas, il y a pas assez de scène d'action, mais je pense que, comme je vous dis, c'est fait exprès. C'est pour ramener progressivement, pour ramener ce, ce, ce côté kung-fu au sein euh, de, de films populaires qui fonctionnaient à l'époque. Et euh, à l'époque, c'était plus le polar qui fonctionnait, donc je comprends pourquoi il y a pas tant de scènes que ça et pourquoi on vend d'abord le film comme un polar et puis progressivement on l'amène vers un, vers un, vers un cinéma d'action. Mais c'est un petit peu ce que ce que avait déjà fait Donnie Haine sur SPL, hein. c'était un petit peu vendu comme un, comme un, comme un, le, le côté polar était mis en avant. D'ailleurs, c'est plus des polars ces films en fait sur le papier, mais en réalité, pour moi, c'est plus des films de kung-fu parce que c'est à travers les scènes de chorégraphiques en fait que le que le, le, le les films prennent toutes leur euh, voilà euh, les films explosent quoi. Et d'ailleurs, euh, SPL était aussi réalisé par Wilson Yip. Euh, voilà et euh, alors, entre SPL et euh, et Flashpoint, euh, ils feront euh, Dragon Tiger Gate, que je n'ai pas revu depuis des années, que j'aimerais bien revoir d'ailleurs, je sais pas si vous vous en souvenez, mais, euh, mais en tout cas voilà, donc Flashpoint, euh, vraiment, les quelques scènes d'action sont juste extraordinaires, donc c'est là où Donnie Yen commence à amener euh, effectivement son style euh, MMA, euh, les saisies, euh, les prises, les clés au sol, etc. Voilà, c'est c'est à partir de ce moment-là aussi les, les coups de poing hyper rapides comme ça. Voilà, il, tout ça, ça avait déjà été fait un petit peu dans les films d'avant, mais là, il, il vraiment il trouve vraiment son style qui va le définir pendant euh, pendant des années, et des années. Et moi, c'est vraiment à partir de ce film-là moi j'ai eu une espèce de j'avais bien aimé SPL et les Dragon Tiger Gate, mais c'est vraiment à partir de celui-là où je me suis dit ah putain ça y est, le cinéma de Hong Kong, le cinéma de kung-fu revient à Hong Kong en fait enfin et euh, j'avais vu les making of à l'époque j'avais vu les bandes annonces et euh, j'avais été voilà je, je me suis j'avais repris de l'intérêt pour ce genre de film et, euh, et c'est c'est dire c'est moi c'est par ce genre de film que je suis vraiment rentré dans le cinéma de Hong Kong en fait hein, typiquement par le cinéma d'arts martiaux par le cinéma de kung fu ça me passionne absolument et euh, c'est ce qui me passionne le plus dans le cinéma de Hong Kong même si j'aime tout euh, c'est vraiment par, par ce genre-là que je suis rentré et c'est vrai que je l'avais un petit peu abandonné dans les années 2000 et euh, moi quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong voilà il y avait vraiment vraiment cette vague on mettait plus en avant des acteurs martiaux on mettait plus en avant ces films-là il y avait euh, voilà les grandes stars de l'époque, c'était euh, Andy Lowe, c'était Tony Lung c'était euh, Luico, etc. Mais il y avait plus... D'ailleurs, Luico joue dans le film, dans Flashpoint, et je pense aussi que c'est pour euh, faire passer un petit peu la pilule et dire, regardez, il y a Luico. Mais en fait, la star, le monstre sacré, c'est Et d'ailleurs, Donnie explosera l'année d'après, vraiment, au niveau... Euh, il sera vraiment consacré grâce à ce film et il explosera internation... internationalement avec euh, avec Yipman Man, euh, qui sera fait encore avec Wilson Yip en 2008 donc c'est vraiment le, le, on va dire le grand rôle qui va le marquer dans l'inconscient collectif chinois dans le, en, en tant que héros populaire chinois à Hong Kong, en Chine et à travers le monde. Mais avec Flashpoint, voilà, ce film est très intéressant. Il fait un peu le pont entre le Donnie Yen euh, de, de, de voilà des débuts des années 80-90, acteur, euh, des débuts de réalisateur, etc. Je vous, je vous conseille des, des, des voilà un film comme Legend of the Wolf qui est pas terrible au niveau euh, au niveau narratif, au niveau c'est pas un grand film, mais par contre au niveau de scène d'action c'est absolument euh, dantesque. Et là vraiment avec euh, voilà Flashpoint, il revient en prenant tout le savoir-faire du cinéma de Hong Kong de l'époque, euh, dans le cadre du cinéma de Hong Kong de l'époque, il, il incorpore vraiment cette grande tradition euh, du film de Kung Fu euh, euh, et, et, du, et des, du film chorégraphique. Et vraiment la scène finale... Pour moi, c'est un des trucs les plus dingues. La scène est très longue. Voilà, c'est vraiment là. Il y a, y, a, y a une ou deux scènes d'action dans le film comme ça éparpillées. Il y a une, une scène très 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 cool en, en milieu de film. Euh, voilà, dans des dans un petit dans un petit resto de rue euh, où il combat euh, Yuxing et euh, qui est très impressionnante. Mais là, à la fin, le combat final entre lui et euh, Colin Chou, qui est précédé d'ailleurs d'un gunfight un peu à la John Woo qui est très 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 cool, voilà, les scènes d'action sont très très cool, elles sont réglées à la fois par Donnie Yen et par euh, Ken Tanikagi, donc son, 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 son assistant, et c'est très impressionnant, et euh, la scène de fin pour moi fait partie vraiment des plus grandes scènes de baston euh, de tous les temps, et, de, et, de, et fait, voilà, ça fait vraiment partie... De, des grands moments du cinéma d'action et du cinéma de kung fu et d'arts martiaux hongkongais et du monde entier. Donc voilà, je vous conseille de le revoir avec ces yeux-là et je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous.